qu'il adore en esprit et en vérité. Être reconnaissant, c'est notre façon à nous de l'adorer. Être reconnaissant, c'est notre façon à nous l'adorer. L'acclamer, c'est l'adorer. L'acclamer, c'est l'adorer. Pousser un cri de joie, c'est être reconnaissant. Mon adoration te dit merci. Mon cri de joie te dit merci. Mes acclamations te disent merci. Je crie, je saute. Je veux danser, je veux chanter, je veux célébrer, je veux magnifier, je veux honorer, je veux glorifier, je veux honorer ta présence en ce lieu. C'est la façon à nous de dire merci pour les 365 jours passés. C'est notre façon à nous de dire merci pour la guérison, pour les victoires. Nous te disons merci. Alléluia.
commencer l'année? Avec ton Dieu? Comment veux-tu commencer l'année? Avec des victoires? Alors ne laisse pas ta condition déterminer ton attitude, mais laisse tout simplement ton cœur parler, ton cœur s'exprimer, ton cœur se déploie, ton cœur parler pour l'Éternel et dire: viens, 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 viens. Oh, oh, je t'acclame, je te loue et te célèbre, je t'acclame. Non, je ne laisserai pas la nature t'acclamer à ma place, je ne laisserai pas les pierres t'acclamer à ma place, je ne laisserai pas la création t'acclamer à ma place, mais je veux t'acclamer, je veux te célébrer, je veux te magnifier, je veux t'honorer, je veux te couronner. Tu es le roi, tu es le maître, tu es Seigneur. Elles sont pour toi ces acclamations. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu saint, tu es saint, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Personne n'est semblable à toi, Jésus.
cette année 2018, nous voulons reconnaître que c'est toi, tu es notre Alpha et l'Oméga. Seigneur, nous avons commencé 2018 avec toi. Depuis le 31 décembre 2017, nous sommes rassemblés pour te proclamer, pour te reconnaître comme notre maître. Alors Seigneur, nous sommes entrés le 1er janvier 2018 en reconnaissant que tu étais l'Alpha et l'Oméga. Alors que Seigneur, nous sommes maintenant dans ce premier dimanche de l'année 2018, nous voulons encore proclamer, nous voulons encore reconnaître que tu es notre Alpha. Alpha sur chaque dimanche de l'année 2018. Alpha de notre vie. Alpha de ton église. Alpha de chaque département. Alpha de chaque vie. Alpha de chaque être humain. Oui, nous voulons reconnaître que tu es l'Alpha. Personne n'est comme toi. Ce que tu as commencé, l'œuvre que tu as commencé, c'est toi qui la rendras parfaite. Alors nous nous attendons à toi. En 2018, nous voulons dire Alpha. C'est toi l'Alpha de nos vies. Seigneur, nous voulons proclamer que tu es l'Alpha. Nous reconnaissons que tu es Alpha. Nous proclamons que tu es Alpha. Nous proclamons que tu y es. Nous proclamons que tu y es. Alpha Omega. Oui, tu es. Paris, que tu es. Il faut que la France entende que tu y es. Il faut que cette nation entende que tu es. Il faut que la francophonie entende que tu es. Il faut qu'on entende un peu pour te rajouter cri. Oui, tu es, tu es, tu es. Seigneur, dans cette nation, oui, tu es. Nous prêtons allégeance à celui qui est. Nous prêtons allégeance au chef d'État qui est. Au roi des rois qui est. Oh oui, tu es, tu es, tu es, tu es Alpha Omega. Seigneur, oui, tu es Alpha Omega. Dans nos vies, oui, Père, tu es Alpha Omega. Dans ton église, Abba, Père, tu es Alpha Omega. Seigneur, dans la nation, tu es Alpha Omega. Seigneur, nous proclamons, tu es Alpha Omega. Nous acclamons, car Père, tu es Alpha Omega. Oh notre Seigneur Jésus, tu es Alpha. Oui, tu es. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que tu es l'Alpha. Alpha et l'Oméga de cette église. Seigneur, nous te mettons en premier au travers de ton Esprit Saint. Viens en tout temps régner sur chaque minute, sur chaque faction, de chaque culte, Seigneur. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Quand tout temps, au cours de cette année 2018, tu inspires les paroles de nos bouches, tu inspires nos sentiments. Accorde-nous la grâce d'avoir les sentiments des anges Jésus-Christ. Lui qui n'a pas regardé d'être froid, d'être égal à Dieu. Mais Seigneur, il s'est livré comme une croix, Seigneur. Accorde-nous la grâce, nous aussi, Seigneur, de nous livrer comme toi, tu t'es livré. Parce que tu es notre Alpha et tu es notre Oméga. Et nous voulons pousser des cris de joie, pousser des cris de joie. Parce que tu es Abba Père, oui, dans la nation, tu es Seigneur, dans l'église, oui, tu es. C'est ce que tu seras, c'est ce que tu es, c'est ce que tu seras. Tous les jours de l'année 2018, tu seras notre Alpha et Oméga. Sur chaque mois de 2018, tu seras l'Alpha et l'Oméga, Seigneur. Nous comptons sur toi. Seigneur, nous avons cru parce que tu as envoyé ta parole. Alors que tu as envoyé ta parole, emmène la manifestation. Parce que toi-même, tu as dit, l'œuvre que tu as commencée, c'est toi qui la rendras parfaite. Alors nous attendons à ton règne. Nous attendons à ce que tu domines. Seigneur, l'année 2017 est passée. Seigneur, la mort ne nous a pas arrachés de la terre. La mort ne nous a pas pu nous terrasser. La maladie ne nous a pas terrassés. Mais nous sommes encore sur la terre des vivants. Nous sommes encore debout. C'est vrai, hier, tu as trébuché. Mais il t'a relevé. Il a dit dans sa parole, cette fois le juste tombe. Et à chaque fois, tu te relèves. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui nous relève. Qui nous relève jour après jour. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous voulons encore une fois t'acclamer, t'acclamer. Dans l'assemblée des rachetés, à toi l'Alpha et l'Oméga, béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on pourra acclamer le Seigneur, celui qui est l'Alpha et l'Oméga de nos vies, celui qui nous a rachetés, celui qui a étendu sa main sur toi tout au long de l'année 2017 et qui t'a permis de traverser l'année 2018 dans sa présence. Amen, amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à chacun d'entre nous, bienvenue à notre grande famille internaute.
Vous avez cliqué sur le bon lien, vous êtes les bonnes personnes au bon endroit, au beau milieu. Et avant de prendre place, est-ce qu'on peut saluer notre frère, notre sœur qui se trouve à notre gauche, à notre droite? Si nous n'avons pas eu le temps de le rencontrer, si nous n'avons pas eu le temps de la voir dimanche dernier, souhaitons-lui une bonne année, une excellente année 2018. Parce que l'alpha et l'oméga sera avec lui. Prenons le temps de nous saluer les uns les autres. Alléluia. Je vous prie de prendre place quelques instants. Avant de passer aux annonces de la vidéo, une information importante qu'on veut vous donner aujourd'hui. À partir du dimanche 21 janvier, les premiers cultes désormais auront lieu, vont débuter à partir de 8h20 au lieu de 8h30. Aujourd'hui, les premiers cultes commencent à 8h30, mais désormais, les premiers cultes vont commencer à 8h20 pour nous permettre de mieux organiser la partie lorsqu'on fait l'appel au salut afin que tout le monde puisse participer au culte et surtout que tout le monde puisse bien écouter le message et par la suite rentrer chez soi. Donc, à partir du dimanche 21 janvier, le premier culte va commencer à 8h20. À la régie, si vous êtes prêts, vous pouvez lancer la vidéo. Bonjour et bienvenue pour les annonces de la semaine à Impact Centre Chrétien Campus de Paris. Le ministère des soins pastoraux a le plaisir de vous convier à l'atelier spécial sur la restauration de l'âme avec le pasteur Jacques Malanda sur le thème « En Christ, je quitte la prison de la peur ». L'atelier aura lieu cette semaine du mercredi 10 au vendredi 12 janvier de 19h30 à 21h30 au campus ICC de Paris à Boissy-Saint-Léger. La peur est une arme redoutable utilisée par l'ennemi. Masquée et souvent ignorée de tous, elle nous paralyse et engendre tant d'échecs dans nos vies. Ne ratons donc pas cet atelier exceptionnel qui nous livrera les clés nécessaires pour sortir définitivement de la prison de la peur afin de manifester pleinement la vie de Christ et être totalement victorieux dans le processus de restauration de l'âme. Vous aurez également l'occasion de vous entretenir avec des membres du ministère qui se tiendront à votre disposition. Nous vous invitons vivement à ne pas manquer ce rendez-vous spécial en notant dès à présent cette date dans vos agendas. Suite à la dernière session de formation sur les fondements du royaume, un grand nombre de nos frères et sœurs ont fait le choix de démontrer leur engagement en Christ en choisissant de passer par les eaux du baptême. Aussi, nous avons l'immense plaisir de vous convier le samedi 27 janvier prochain à l'auditorium du campus ICC de Paris à Boissy-Saint-Léger, non pas à une, mais à deux cérémonies de baptême. La première cérémonie se déroulera de 10h à 13h et la seconde cérémonie aura lieu de 14h30 à 17h30. Venons donc nombreux soutenir et encourager nos frères et sœurs lors de ce temps fort dans leur marche avec Christ notre Seigneur. Pour plus d'informations, vous pouvez écrire à l'adresse email suivante formation@impactcentrechretien.com. Vous êtes nombreux à avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie en 2017 et avez décidé de croire que 2018 sera une année différente où le monde verra la manifestation du programme de formation de 4 semaines qui s'intitule « Bienvenue dans le Royaume ». Ce cours débutera le dimanche 14 janvier à partir de 14h30 après le second culte à la cafétéria. Les dates des séances sont les suivantes. Première séance le 14 janvier, deuxième séance le 21 janvier, troisième séance le 28 janvier et quatrième séance le 4 février. Pour plus d'informations, vous pouvez écrire à l'adresse email suivante intégration@impactcentrechretien.com. Toutes les femmes sont conviées le samedi 20 janvier 2018 de 14h30 à 18h à Impact Centre Chrétien Paris, au campus principal, au prochain culte des femmes avec la participation de pasteur Modestine. Ce sera l'occasion de commencer ensemble cette merveilleuse année au cours de laquelle chaque femme manifestera une meilleure version d'elle. Un service de navette sera mis à votre disposition avant et après le culte. Le service commencera à partir de 13h45 à la gare RER de Sucy-Bonneuil. Nous vous invitons vivement à ne pas manquer ce premier culte de l'année. À la fin du culte, nous aurons l'occasion de communier ensemble autour d'un cocktail gracieusement offert. Pour plus d'informations, écrivez-nous à l'adresse email suivante femmes@impactcentrechretien.com.
Le ministère des Jeunes d'Impact a le plaisir de convier tous les jeunes à un culte de célébration le samedi 20 janvier 2018 de 18h à 20h30 au campus de Paris à Boissy-Saint-Léger. En effet, les Jeunes d'Impact tiennent à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant l'année 2017. Nous avons eu de nombreux événements forts tout au long de l'année dernière et nous croyons que nous irons de gloire en gloire en cette nouvelle année qui commence. Au programme, un temps de célébration et d'action de grâce par nos chants et nos louanges. Nous aurons également un temps spécial autour de la parole de Dieu avec le pasteur André Mbende. Nous vous attendons nombreux. Rejoignez-nous pour que nous soyons unis afin de manifester ensemble la gloire de notre Dieu. Pour plus d'informations, vous pouvez nous écrire à l'adresse email suivante jeunes@impactcentrechretien.com. Nous vous remercions d'avoir été attentifs à nos annonces. Et nous vous souhaitons un excellent. À présent, nous allons passer à notre temps de Sainte-Cène. Je veux demander donc à toutes les personnes qui sont baptisées par immersion de se tenir debout. Ceux et celles qui se sont préparés à passer à la table du Seigneur, je vous prie de vous tenir debout. Cette invitation est réservée pour toutes les personnes qui ont reconnu Jésus le Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur et qui sont par la suite passés par les eaux du baptême. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes de venir à ta table, pour cette invitation céleste. Merci Seigneur, merci pour ta vie, merci parce que toi tu es allé à la croix pour nous, là où il y avait le mur de l'inimitié qui nous séparait entre nous et Dieu le Père. Toi, tu as décidé d'aller à la croix. Tu as décidé de quitter ta grandeur, de quitter ta majesté. Et tu es venu te faisant simple comme un homme, afin que nous qui étions pécheurs, nous qui étions éloignés de Dieu, nous qui étions éloignés de l'héritage, Seigneur, par ton œuvre à la croix, tu es venu nous ramener à Dieu le Père. Et tu l'as fait au travers de ta parole et au travers de ton sang. Parce que le sang a été versé, le mur a été brisé. Parce que le sang a été versé, le voile a été déchiré. Et parce que le voile est déchiré, la vie est venue en nous. La vie de Dieu est venue en moi. La vie de Dieu est venue en mon frère et en ma sœur. Et parce qu'il y avait la puissance dans ce sang. Il y a le sang. Il y a la puissance. Nous voulons reconnaître qu'il y a la puissance. La puissance de Dieu. La puissance véritable. Pas la puissance des hommes. Pas la puissance d'une nation. La puissance du sang de Jésus. Celle qui vient donner la vie. La vie abondante. C'est la puissance du sang, celle qui vient briser les chaînes. Là où on était condamné, ton sang est venu enlever la condamnation. Là où il y avait les jougs familiaux, ton sang est venu briser. Là où il y avait des esclaves familiers, ton sang est venu briser. Là où on avait dit infertilité et on avait dit stérilité, ton sang est venu donner la vie. Car il y a la puissance dans son sang précieux. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance, dans le sang de Jésus. Dans 1 Corinthiens 11 au verset 23, il est écrit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton corps, pour le corps de la vie, le corps de la résurrection. Que tout ce qui était en toi, tous les caractères de ton corps, Seigneur, soient trouvés en nous, parce qu'il y aura un transfert divin. Prenons ensemble le corps de Christ. De même,
Après avoir soupé, il prit la coupe et dit : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Seigneur, merci pour ton sang, le sang de la victoire. La victoire ne provient pas de ma capacité. La victoire ne provient pas de notre intelligence, de notre sagesse. Mais la victoire provient parce que ton sang a été versé. Et tu as dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Seigneur, nous avons la victoire à cause de toi, à cause de ce sang précieux. Alors que nous allons prendre ce breuvage, Seigneur, que ta vie soit communiquée en nous, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Prenons ensemble le sang de Christ. Je vois les chaînes tomber. Maintenant, commence à proclamer sur ta vie. Commence à prier sur ta propre vie. Là où il y avait la maladie. Là où il y avait la terreur, là où il y avait les jours, Seigneur, nous voyons les chaînes tomber dans le nom de Jésus. Nous proclamons et décrétons que dans son cercle, au niveau de ce cerveau, là où il y avait ce mal de tête chronique, je proclame et je décrète que ton sang parle au nom de Jésus. Ton sang parle à ce cerveau, ton sang parle à ses organes, tu parles à cette jambe, là où cette jambe ne pouvait pas bouger. Je proclame et je décrète que le sang de Jésus vient donner la vigueur, vient donner la vigueur, donne vigueur. Donne vigueur dans le nom de Jésus. Là où cette trempe était bouchée, viens donner la vigueur dans cette trempe au nom de Jésus. Là où on avait du stérilité, je proclame et je décrète que le sang de Jésus vient donner la fécondité au nom de Jésus. Là où on avait dit que là où le cœur était défectueux, nous proclamons et décrétons que notre corps se rajeunit parce que le sang de Jésus vient. Le sang de Jésus circule au niveau de ses poumons. Le sang de Jésus circule. Tu circules. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Seigneur, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous proclamons que nous avons la victoire, grâce au nom de Jésus, les chaînes tombent dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, amen, amen, amen. À présent, nous allons passer à notre temps de dîmes et offrandes, et comme c'est le premier mois, comme c'est le premier dimanche du mois, je vais appeler donc le pasteur Garel pour nous conduire dans ce temps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. En ce premier dimanche du mois de l'année 2018, où nous venons apporter nos prémices, c'est un privilège et un honneur pour nous que de pouvoir apporter les prémices dans la maison de Dieu. La loi des prémices existe bien avant la loi de Moïse. Cela nous a été enseigné à plusieurs reprises. Et nous avons décidé à l'église ici, à Impact Centre Chrétien, de faire que ce premier dimanche du mois où nous apportons nos prémices à notre Dieu soit revêt un aspect solennel, parce que c'est une occasion que Dieu nous donne de pouvoir obéir à sa parole, mettre les 10% à part pour lui, pour sa gloire. Nous disons qu'il est l'alpha et l'oméga et nous le croyons également dans nos finances. Amen. Il est l'alpha et l'oméga dans nos finances. Nos finances ne sauraient être attaquées par l'ennemi dès lors que nous obéissons à la parole, dès lors que nous décidons d'obéir à la loi des prémices. Alors Dieu est engagé dans nos finances et c'est ainsi qu'on voit les imprévus financiers, les maladies être éloignées de nous, parce que notre Dieu est celui qui menace, celui qui vient pour percer, qui vient pour dévorer nos finances. Amen. Est-ce que nous croyons à cela? Alors nous allons tous ensemble lever nos enveloppes avec nos semences et nous allons prier et inviter Dieu dans nos finances tout au long de ce mois de janvier 2018. Seigneur, nous voici devant toi, honorés de t'appartenir et heureux de venir dans ta maison pour te louer, te servir. Maintenant, tendre maître, nous voulons t'inviter dans nos finances au travers de notre obéissance à la loi des prémices. Les 10%, Père. Nous savons qu'alors ta parole qui déclare que Seigneur, tu menaces celui qui vient pour percer, qui vient pour dérober, que tu éloignes la rouille et la teigne de nos finances. Nous croyons que cette parole s'accomplit. Voilà pourquoi nous déclarons au nom de Jésus qu'en ce mois de janvier 2018, aucun imprévu financier n'attaquera nos finances. Aucune maladie ne viendra pour attaquer nos finances au travers des médecins, des médicaments. Nous déclarons au nom de Jésus qu'au contraire, nous voyons la main de Dieu posée dans nos finances. Là où il y avait des blocages, nous déclarons au
au nom de Jésus, qu'à cause de notre obéissance à la parole de Dieu, alors il nous sera fait selon la parole de Dieu. Tu dis dans ta parole, mettez-moi à l'épreuve par vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Alors nous déclarons que ce mois de janvier est un mois où les écluses des cieux sont ouvertes sur nos vies, ouvertes dans nos foyers, ouvertes dans nos affaires, ouvertes dans nos études, ouvertes dans nos santé. Dans le nom puissant de Jésus, nous marchons avec assurance sur ta parole, et nous ne vivrons pas seulement de nos revenus, mais nous vivrons de ta grâce, Père, parce que ta grâce est bien plus importante que les revenus que nous pouvons avoir. Voilà pourquoi nous déclarons que tu es l'alpha et l'oméga de nos finances. Merci encore parce que tu nous donnes le privilège de semer dans ta maison. À toi soit l'honneur, à toi soit la louange, à toi soit la gloire, à toi soit nos acclamations et nos cris de joie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Pouvons-nous encore l'acclamer? Il est notre Dieu, l'insondable, l'inébranlable Dieu, l'incontournable.
disant, nous le crions, qui sera? Qui sera contre nous? Qui sera? Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Je dis Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Je dis Dieu admirable, inébranlable, inébranlable, incomparable. Incomparable. Je confesse que tu es admirable, inébranlable, inébranlable, incomparable. Et je dis Dieu admirable, admirable, inébranlable, incomparable, incomparable. Je veux célébrer, célébrer, célébrer. Je veux célébrer, célébrer, célébrer. Quelqu'un dit je veux célébrer. De notre Dieu, célébrer le fait d'être passé de 2017 à 2018. Oh! La Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et lorsqu'il dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, cela signifie que lorsque le peuple de Dieu est en train de le louer, lorsqu'il est en train de danser la présence de son Dieu, alors Dieu vient juger ses ennemis. Celui qui avait dit qu'en 2018, il réussira à te tuer, il a menti, il a perdu. Parce qu'aujourd'hui, votre Dieu siège au milieu de nos chemins. Célébrez, célébrez, célébrez.
ce n'est pas un acquis. Nous avons passé 2018, nous sommes entrés en 2020, nous avons passé 2017, entrés en 2018, et nous avons déjà vu 8 jours. Quelle grâce! Quelle grâce! Oh, le Seigneur notre Dieu, il est là! Afin que nous soyons ses témoins et que nous allons dire sa bonté, que nous allons parler de sa fidélité, que nous allons annoncer aux nations que notre Dieu est vivant, qu'il n'est pas mort, mais qu'il est ressuscité et qu'il donne le salut, qu'il offre la joie, qu'il offre la paix. Oh! Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta fidélité, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons parler de ta fidélité, de ta bonté. Dire combien tu es merveilleux. Tout ce que tu as fait pour nous en 2017, oh, nous ne pouvons pas nous taire. À cause de 2017, aujourd'hui, en 2018, notre proclamation du jour, c'est... Oh oui, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai encore et encore que Jésus sauve et qu'il n'est pas changé. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta fidélité. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta fidélité. Oh oui, je parlerai de ta bonté. Je parlerai. Pour être ceux qui racontent de ce que toi tu as fait. Oh. En 2018, oui, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta fidélité. Je parlerai à qui de la main. Tu demeures le Dieu fidèle, tu demeures le Dieu bon. Je ne parlerai pas de ce que l'ennemi a fait en 2017. Je ne parlerai pas des attaques. Je ne parlerai pas des coups. Je ne parlerai pas des tentations. Je ne parlerai pas des chutes et des luttes. Non, je parlerai. Fidélité. Oh oui, je redirai combien tu m'as aimé, tu m'as équipé, combien tu m'as enseigné, combien tu m'as aimé, combien tu m'as donné la capacité de donner des coups et des coups à mon ennemi en 2017 pour que je sois couru vainqueur et qu'en 2018 je parle de ta bonté. J'ai douté, même lorsqu'il y a des moments où j'ai hésité, même lorsqu'il y a des moments où j'ai voulu laisser tomber, où j'ai voulu abandonner. Oh, tu es demeuré fidèle. Tu as renouvelé les forces, tu as redonné du courage, tu as donné de la persévérance. Tu nous as enseigné par ta parole de ta bonté.
pouvons faire monter d'excellentes actions de grâce envers celui qui nous a préservés de la mort, envers celui qui nous a gardés des attaques de l'ennemi, envers celui qui nous a toujours tenus, même lorsque nous pensions que ce n'était pas possible. Oh, la Bible déclare que lorsque nous prions par l'Esprit, alors nous faisons monter d'excellentes actions de grâce. Nous faisons monter d'excellentes actions de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour où nous voulons prendre le temps de rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Rendre grâce à Dieu pour ses 365 jours de 2017. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un pour le dire? Tout haut. Seigneur, nous voulons prendre le temps de te rendre gloire parce que nous avons eu des luttes, mais c'est toi qui as remporté le combat. Nous sommes tombés et tu nous as relevés. Nous avons douté, tu nous as réconfortés.
Nous avons eu peur, tu nous as rassurés. Ta parole a été notre bouclier. Ta parole est notre bouclier. Ta parole sera toujours notre bouclier. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants parce que aujourd'hui est possible à cause de la croix d'il y a plus de 2000 ans. Parce qu'à la croix, Jésus a dit tout est accompli. Et lorsqu'il a dit tout est accompli, il a couvert les siècles à venir, les siècles et des siècles. Il a remporté le prix. Il nous a donné la victoire. Désormais, nous marchons avec assurance et autorité sur la tête de nos ennemis. Et cette année est une année où nous voyons une nouvelle version de nous-mêmes. Une version que Christ lui-même a façonnée, qu'il a pris le temps. Il a pris le temps de façonner tout au long de nos luttes, de nos épreuves, de nos combats, afin que nous soyons la meilleure version de nous-mêmes en cette année 2018. Oh, comment ne pas être reconnaissant lorsque nous prenons le temps de regarder ce que tu as fait. Comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire que nous t'aimons? Ta présence au milieu de nous fait toute la différence. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Ta parole ne ment pas. Tu es la vérité. Alors oui, Seigneur, c'est à toi que reviennent l'honneur, la louange, la gloire, la magnificence, nos actions de grâce. Toi qui es notre refuge, amour de nos vies, soutien de nos cœurs. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire. Je t'aime, Seigneur. À toi seul. À toi seul. Je t'aime, Seigneur. Nous voulons te dire que nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous aspirons à t'aimer davantage en 2018, en obéissant à ta parole. Celui qui t'aime, c'est celui qui obéit à ta parole. Nous voulons te dire que 2018 est cette année où nous voulons être des amoureux, des passionnés, des déterminés. Oh, ta présence, Père, nous voulons te le dire. Je t'aime, je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Nous aspirons seulement, oh, c'est notre soupir pour 2018. Dira en 2018 de tout mon cœur. Oh, je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je de tout mon cœur, de tout mon cœur. Oh, mon Père, je t'adore, Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Oh, je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Chante et je décide. Que 2018, nous décidons que 2018 est cette année où nous obéissons, où nous nous attachons.
Seigneur. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Est-ce que quelqu'un, un adorateur, peut acclamer la présence de Dieu? Acclamer l'amour de notre vie, le désir de nos cœurs, le soupir de nos âmes. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons élever l'agneau de Dieu qui siège au milieu de la louange de son peuple? C'est toi que nos cœurs désirent, c'est toi que nous aimons, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous recherchons. À toi soit toute la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange de tout notre cœur. De tout mon cœur. Oh. Oh, tu es digne de nos louanges, Seigneur. Merci, merci, merci. Le dimanche est ce jour de rendez-vous, ce premier jour de la semaine où nous venons te rendre un culte, où nous ne voulons pas seulement recevoir, mais nous venons apporter nos cœurs. Voilà pourquoi, Père, nous t'acclamons et que nous déclarons que tu es notre seul Dieu, celui que, après qui nous soupirons, le désir de nos cœurs. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, on peut faire mieux que ça, mieux que ça. Il s'agit du roi des rois, mieux que ça. Où que nous soyons dans ces lieux, il y a beaucoup à l'extérieur qui aimerait être ici. C'est une grâce que le Seigneur nous fait de pouvoir célébrer son nom dans l'assemblée des fidèles. Alors, à cause de sa grâce, de sa bonté, sa fidélité, est-ce que nous pouvons faire monter un cri de joie en l'honneur de notre Seigneur? Nous n'allons pas économiser nos voix alors que lui n'a pas économisé sa grâce envers nous. Oh oui, tu en es digne, Seigneur, agneau de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. 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 Wow, c'est une grâce. Ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Est-ce que quelqu'un peut regarder son voisin et dire, tout est grâce. Tout est grâce. C'est une grâce. Waouh. Waouh. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel privilège que de pouvoir nous retrouver encore ici. Nous tous, que Dieu a porté de 2017 à 2018. C'est un privilège extraordinaire. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre place pendant quelques instants? Aujourd'hui est un jour d'action de grâce, un culte d'action de grâce en l'honneur de notre Seigneur. Et nous voulons prendre le temps d'admirer, de contempler ce que Dieu a fait. Et aujourd'hui, nous allons avoir une rétrospective des enseignements que nous avons eus en 2017. Ces enseignements qui nous ont portés aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui en 2018. Nous avons appris, nous avons reçu beaucoup. Et donc cette année, le Seigneur attend également beaucoup de nous. Amen. Amen. Mais avant de regarder cette rétrospective des enseignements de la parole de Dieu, ce matin, est-ce qu'il y a parmi nous des frères et sœurs? Je vais demander à tous ceux qui se sont levés lors de l'appel du 31 décembre, de l'appel au salut du 31 décembre, qui ont décidé de donner leur vie, de bien vouloir se tenir debout. Nous allons vous remettre un fascicule, quelque chose, parce que nous voulons prendre le temps de vous accueillir de manière personnalisé. Donc si durant la nuit de la traversée du 31 décembre, tu es de ces champions, tu es de ceux qui ont décidé de ne pas laisser Satan diriger leur vie encore et de passer des ténèbres à la lumière, alors nous vous encourageons à vous tenir debout afin que nous puissions vous remettre ce petit fascicule. Nous voulons prendre le temps à la fin de ce culte d'échanger avec vous de manière personnalisée sous l'attente de la convivialité. Nous bénissons le Seigneur réellement pour vos vies et nous voulons faire plus ample connaissance avec vous. Amen. Amen. Donc, nous allons laisser la place aux enseignements, à cette rétrospective 2017, à savoir que la parole de Dieu, elle est vivante et permanente. Donc, dès lors que nous regardons cette rétrospective, nous aussi, nous pouvons dire amen à chaque fois, parce que la parole, elle va agir. Elle va agir. Ce n'est pas juste une rediffusion. Non, non. C'est une compilation des moments les plus percutants. Alors, si tu as décidé de faire la différence en 2018, tu saisis chaque bonne parole qui sera donnée aujourd'hui. Amen. Amen. À vous la régie.
sous nos acclamations pour le Seigneur. Lorsque Dieu veut bâtir son peuple, il le fait à travers sa parole. C'est ce qui s'est produit tout au long de l'année 2017. Revivons ensemble les temps forts de ces enseignements profonds, ponctués de puissants moments de prière. Vivre Christ, c'est à la fois le but ultime de tout croyant et le nom de la série qui a rythmé la première partie de l'année, et ce, jusqu'à Impact Conférence. De personne, un sauveur est né. Faut être conscient, même si tu ne manifestes pas, tu dois être conscient de ce qu'il y a à l'intérieur d'un sauveur. Tu as des luttes, c'est vrai, mais il y a un sauveur qui va finir par émerger. Je combats, mais il y a un sauveur qui va finir par sortir de là. Et à travers ma vie, ma famille sera sauvée. Je suis la personne à partir de laquelle la malédiction s'arrête, les démons s'arrêtent, la bénédiction commence. C'est ça être un sauveur. Dis avec moi, un sauveur est né. C'est-à-dire que tu es là, sur le pupitre, en train de parler, Jésus vient, en un clin d'œil, si tu entends une trompette qui sonne alors que personne ne joue la trompette, mon gars, en un clin d'œil, tu n'es même pas le temps de réfléchir, pouf, passe les poules. Non, en tout cas, nous, c'est là pour toi, mais nous, on est parti. Je prends mes enfants, je prends tout, mais là, hein, on y va. Et la Bible dit, nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs, et là, nous allons entrer dans ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Quand l'enlèvement aura eu lieu, le Saint-Esprit va partir avec l'épouse. Tu pries, il n'y a plus rien. Tu chantes à sec. Saint-Esprit, viens, je suis prêt maintenant. J'ai abandonné le gars là, c'est lui qui m'a embrouillé. C'est elle, c'est la sœur là. C'est elle, Seigneur. Maintenant, je suis prêt. Je suis prêt à partir. Mon gars, tu vas prendre les postures, je suis prêt. Oh, oh, oh. Tu vas faire triple salto, double salto, triple saut, mon gars, tu vas rester sur la terre, tu vas traverser la grande tribulation. Je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Sois conscient de ce qu'il y a dans ta bouche. Il y a un feu divin, mais qui n'attend que d'être libéré. Le problème, c'est que si tu injuries le mari, ce n'est pas le feu de Dieu qui vient de sortir de ta bouche, c'est le feu de l'enfer qui te brûle toi-même. Parle à l'esprit de folie, de colère qui le contrôle. Il dit, hey, cet homme-là, c'est mon mari, il m'appartient. Je parle à toi, démon, qui tient cette personne et qui le pousse à l'irritation, à la colère. Je te commande, je te paralyse au nom de Jésus. Il y en a qui aimeraient manifester la vie nouvelle tout en gardant l'ancienne vie. Il y en a qui aimeraient manifester la dimension de résurrection sans passer par la crucifixion. Ce n'est pas la souffrance qui doit s'arrêter. C'est toi qui dois mourir pour que la souffrance s'arrête. La souffrance ne s'arrête pas tant que tu n'es pas mort. C'est quand tu es mort que même si la souffrance continue, elle ne te fait plus rien à toi. Parce que tu es mort. La souffrance ne va pas s'arrêter parce que tu dis, j'en peux plus. Trop de trahison, trop de fausses accusations. Encore une nouvelle vidéo sur moi. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, tant que tu réagis, tant que tu es offensé, tu es encore vivant. Faut que tu meurs. La deuxième partie de l'année a débuté avec le séminaire du révérend Steve Mensah, qui non seulement nous a challengés sur la nécessité de manifester la compassion envers les pauvres, mais aussi sur l'importance de la prière. Lorsque je suis venu, il y avait encore plus de nourriture. Et j'ai demandé, qu'avez-vous fait de la nourriture qui restait hier? Elle a dit, j'ai tout jeté. Il a dit, quoi? Mais ici, on est à Londres. C'est non. J'ai dit non. 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 You have never been hungry before. Vous n'avez jamais eu faim. That is why you are throwing food. C'est pour ça que vous jetez la nourriture. If you have been hungry before, si vous aviez eu faim auparavant, you will not throw food. N'allez pas jeter la nourriture. Tu allais en enfer parce qu'il était riche. Non. Non. You don't go to hell. Vous n'allez pas en enfer because you are rich. Parce que vous êtes riche. You go to hell. Vous allez en enfer because God. Parce que Dieu has given you riches. Vous a donné des richesses. But you are wicked. Mais vous aviez été méchant. C'est pour ça que vous allez en enfer. Il vous a donné l'argent. Il vous a donné l'argent. Il vous a donné des talents. Il vous a donné un don. Il vous a donné la grâce. Vous avez des accès à l'argent. You are supposed to use it. Et vous êtes censé l'utiliser pour vous occuper des pauvres. That is the reason why he blessed. C'est la raison pour laquelle il vous a béni. To fail not to help poor people. Pour aider les pauvres. It's being wicked. Ne pas aider les pauvres, c'est être méchant.
Dites Amen. There are people. Il y a des gens who have money. Qui ont de l'argent. They go on holiday, vacances. Ils vont en vacances. Vacances. When they go to vacances. Ils vont en vacances. They are swimming. Ils vont nager. Bahamas. Ils vont aux Bahamas. Lake. Dans des lacs. Massage. Ils sont massés. Hey. They are eating chicken. Ils mangent du poulet. Pork. Du porc. Poulet. Du poulet. Pork. Du porc. Happy. Ils sont heureux. They see their friends. Ils vont leurs amis. Hello, 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 hello. Hello. Are you okay? Where Est-ce from you? Va? Las Palmas. Where from you? From Korea. Where from you? J'ai eu de tes nouvelles depuis la Corée. They are eating. Et ils mangent. There's nothing wrong with it. Il y a rien de mal à cela. When they come back. Mais quand ils reviennent. And a poor man. Et qu'un pauvre. They see. Ils les voient. At the roadside. Lorsqu'ils voient le pauvre. Looking for 1 euro. En train de chercher 1 euro. They will not give it. Ils ne vont pas donner. They won't help anybody. Ils n'aident personne. They will not support anything. Ils n'aident personne. It's wickedness. C'est de la méchanceté. It's wickedness. C'est de la méchanceté. That your money que votre argent doesn't help the sick. N'aide pas les malades. 100 euros. 100 euros can transform a family in Africa. Peut transformer la vie d'une famille en Afrique. I'm telling you, je vous 100 dis, 100 euros can change peut changer a man and a woman la vie and her four children d'un homme, d'une femme et ses quatre because enfants they will begin, they will use it to sell. Parce qu'ils vont utiliser ça pour commencer un commerce. Rice du riz by the roadside. People, à côté de la roue, people will come and buy. Et les gens vont venir they acheter will use it et ils vont utiliser to cet go argent to hospital. Pour aller à l'hôpital. Change somebody's life. Changer la vie de quelqu'un. Change changer somebody's la life. Vie de quelqu'un. When you know what you are fighting with, lorsque vous savez ce à quoi vous êtes confronté, it will determine how long you must pray. Cela va déterminer la longueur de vos prières. If you know the battles surrounding you, si vous connaissez les combats qui vous entourent, and the challenges you have in life and in ministry, et les challenges que vous avez dans votre vie et dans votre ministère, it will determine how long you pray. Cela va déterminer la longueur de vos prières. Do you know Est-ce que vous how savez many years Hannah prayed to just have a son? Combien d'années Anne a dû prier juste pour avoir un fils? She was to pray. Elle n'a jamais arrêté she de prier. And prayed and prayed elle and a prié, 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 prié. Until the Bible said, jusqu'à ce que la Bible her dit lips were moving, que ses lèvres bougeaient, but words were not heard. Mais des paroles n'en sortaient pas. It's called groaning in the spirit. Ça veut dire gémir en esprit. She travailled. Elle travaillait. Prayed. Elle priait. Just for a child. Elle, juste pour un Many enfant. Years, her rival had five. Et à ce moment-là, sa rivale en avait And déjà she cinq. Had none. Et elle n'en avait aucun. But she didn't stop praying. Mais elle n'a pas arrêté de prier. She prayed. Elle a prié. And prayed. Et prié. And prayed. Et prié. And prayed. Encore. Prié. 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 Very easy. That one is very easy. Prié. Priez, priez et encore priez. Telle était l'instruction que Dieu nous donnait à travers la percutante série La prière qui n'échoue jamais. Il est en train de révéler que la prière persistante fatigue, importune, accable, dérange, cause des ennuis, trouble l'ennemi. Et ça, en fait, retient le mot, ça l'épuise, ça le fatigue. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à trouver le repos, la tranquillité pour égorger, dérober ou détruire. Quand tu pries sans cesse, de manière persistante, tu es en train d'empêcher le diable de prendre ses aises, ses quartiers, de se mettre à l'aise et d'être tranquille. Parce que la prière persistante lui ôte la tranquillité et ça le dérange, ça l'importune, ça le trouble, ça l'accable, ça le fatigue. Tu dois le fatiguer. Comment tu fatigues Satan? En priant sans cesse. Parce que j'ai découvert dans le grec que l'expression rompre la tête en grec c'est oupopiazo. Oupopiazo, ça veut dire quoi? Ça veut dire frapper, donner des coups. Ça veut dire frapper, donner des coups, détruire la capacité de son adversaire comme le ferait un boxeur
professionnel. Ça veut dire littéralement décrocher des crochets, déclencher des crochets et des hypercutes au visage qui tuméfient l'adversaire jusqu'à le faire plier et le faire lâcher prise. Waouh! C'est ça, Upo Piazzo! Waouh! Parce que toi, dans ta chambre ou ici, tu es en train de parler, toi, tu parles, mais il y a des messagers appelés les anges qui prennent ces paroles, qui transmettent ces paroles et qui font boum! Je ne serai pas confondu, non, non, je verrai éclater ta gloire, je verrai manifester tes projets. Pendant que tu fais ça, garde-le-tu, pou, 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 pas chandelle de ça. Il y a ceux qui, dans le désespoir, n'ont plus la force de prier et préfèrent se lamenter, jeter l'éponge et pleurnicher. Mais Dieu merci, il y a ceux qui, eux aussi, connaissent le désespoir, mais trouvent au contraire dans le désespoir la force de prier parce qu'ils ont décidé qu'ils ne laisseront pas le diable s'en tirer à bon compte. Ils refusent de mourir, ils refusent de lâcher, ils refusent de jeter l'éponge, ils refusent... Désespéré, mais je continuerai de plaider. Frustré dans mon âme, mais je continuerai de proclamer. Ce n'est qu'une question de temps. Maladie, tu sors de mon corps. Et puis parfois, Satan envoie un démon faire une enquête. Alors, elle a arrêté de plaider, de parler, de prophétiser, de proclamer, de rendre grâce. Oh, il n'y a plus aucun silence, il n'y a plus aucun bruit. Elle ne parle même plus du sujet du tout. Satan dit, c'est exactement ce qu'on attendait d'elle. Couché. Ouais, mais maître, il y a un problème. C'est quoi? Il y a un monsieur Castanou là-bas. Lui, il n'arrête pas. Lui, il ne cède pas. Il n'arrête pas de parler, de proclamer, de prophétiser. Il nous dérange. Il nous cogne. Oh, Mandelebo, Chalanaraba. Oh, je vois une armée de persévérants. Je vois une armée de combattants. Je vois une armée de boxeurs. De boxeurs en esprit. Au nom de Jésus. Dis-moi, amen. Je déclare, je décrète que là où Satan et ses démons avaient commencé à faire la fête en disant que maintenant tu es réduit au silence, c'est le jour de ta résurrection, c'est le jour de ton réveil, c'est le jour de ton émergence. Au nom de Jésus. Nous les hommes, quand quelqu'un ne croit pas à ta parole, tu te dis je vais te prouver. Mais quand tu ne crois pas dans ce que Dieu dit, Dieu n'a plus envie de te prouver. Dieu a envie de te prouver que tu as raison. Quand tu lui dis moi je sais que tu es réel, il dit en bon, quand je sais que tu vis, quand je sais que tu es la résurrection de la vie, il dit tu es sûr? Quand je crois que tu es capable, quand tu espères comme toute espérance, Dieu dit ah bon, waouh, tu m'as fait confiance. Dans ton affliction, tu continues de proclamer mon nom. Dans la douleur, tu continues de dire que ton rédempteur vit et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je vais te prouver que tu as choisi la bonne part. Je vais te prouver que tu as eu raison de me faire confiance. Toi, tu pries. J'arrache mon mariage. Je crois que je l'ai reçu, je le verrai s'accomplir. Si tu n'as pas appuyé cette prière sur une parole biblique, tu as dit dans ta parole que celui qui brûle se marie. Je suis qualifié parce que moi je brûle. Je n'ai pas envie de rester célibataire. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Seigneur, moi je n'ai pas le don de célibat. Donc, comme tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ne resterai pas seul. J'ai appuyé ma prière sur la parole, sur une parole. Maintenant, j'arrache, j'attrape son oreille, m'écoute. Je prends ses yeux, je les place en orbite gravitationnelle vers moi. Et bienvenue, au nom de Jésus, je crois que j'ai reçu. Amen. Non, toute prière qui ne s'appuie pas sur le « il est écrit », c'est de la motivation personnelle. C'est de la pensée positive. Pourquoi est-ce qu'on est frustré de ne pas recevoir l'exaucement de prière qu'on fait depuis longtemps? Il y a probablement un blocage. La division au sein du couple. La division familiale. Les tensions dans le couple. Les mauvais comportements de l'homme vis-à-vis de sa femme. De la femme vis-à-vis de son mari. Les attitudes qui n'honorent pas le mariage, l'institution que Dieu a établie. Les actes qui vont à l'encontre de l'unité entre les conjoints sont autant de choses qui entraînent de sérieux blocages et de sérieux ralentissements dans vos prières.
Si au lieu d'être une aide semblable, c'est devenu une combattante, une contre-attaquante, une contre-carreuse, une querelleuse, une accusatrice, une insulteuse. Ma soeur, si c'est toi, même si tu fais les 21 jours de prière, même si tu fais 40 jours de prière à sec, mi-sec, tout sec, ou tout ce que tu veux, tu es là, tu fais le premier culte, deuxième culte, troisième culte, tu restes même au cas où il y a un quatrième culte. Si tu fais tout ça là, tu pries, tu intercèdes, tu es là, alléluia, alléluia, et tu rentres à la maison et tu déshonores le chef. Tes prières sont bloquées. Si tu viens dans sa vie, que tu ne viens pas pour l'apprécier, tu es en train de la déprécié, tu es en train de la vider, tu es en train de l'épuiser, en train de lui retirer la force qu'elle avait. C'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est vrai pour le conjoint. Une fois qu'il y a eu alliance, rapport sexuel, nous sommes liés par une alliance. Donc je suis à toi, tu es à moi, nous sommes interdépendants. Autrement dit, je t'ai donné également un pouvoir sur moi. Et toi aussi, tu as un pouvoir sur moi. Physiquement, tu vois deux personnes. Mais spirituellement et émotionnellement, ils sont un. Lorsque tu as un rapport intime, donc sexuel, avec une personne, il y a une alliance qui se crée. Ce que va faire ou va dire la personne avec laquelle tu as un rapport va déteindre sur toi. Fais attention à qui tu vas marier. Voilà pourquoi il faut que tu arrêtes d'être excité. Hey, il s'intéresse à moi, je n'ai que toi. Doucement, doucement, doucement. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas dans quoi tu vas t'engager. Arrête d'être excité. Arrête de laisser tes hormones prendre le contrôle. Cette affaire-là, c'est beaucoup plus qu'une robe blanche et un costume noir. La plupart des femmes détectent les faux types. Mais même quand elle a détecté, mais l'instinct maternel lui dit, non mais, je vais l'aider à changer. Et sa propre maman n'a pas réussi à l'empêcher d'être devenu ce qu'il est devenu. Ça c'est un. Le Saint-Esprit n'a pas réussi encore à le changer. Mais toi, tu as la naïveté de croire que toi, tu vas le changer. Waouh! Avant de donner ta vie à Jésus, il y avait pour beaucoup de personnes, il y avait des liens. Il y avait des liens, des malédictions qui parlaient contre toi. Et ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que tout ça, ça part comme ça. Non! Non! C'est à toi de briser les liens et de révoquer les malédictions. Les malédictions n'ont plus le pouvoir de te retenir si tu veux en sortir. Mais elles te maintiennent en bas, elles te maintiennent down si tu ne décides pas d'en sortir. Tout dépend de toi. Tu dois commander la restitution. Mais pour cela, il faut que tu sois en feu. La restitution se commande. C'est pas Dieu qui va dire restitue. C'est pas Dieu. Le problème, c'est que certains attendent que Dieu le fasse. C'est pas Dieu. Dieu a fait sa part. C'est toi qui dois jouer ta part. C'est toi qui dois jouer ton rôle. Quel est le mot qui résume ce qui bloque tes prières? C'est simple, c'est le mot désobéissance. Tu n'as pas idée du nombre de femmes qui n'arrivent pas à concevoir. J'en rencontre de plus en plus. Qui sont nées de nouveau, qui n'arrivent pas à concevoir. Mais elles ne se rendent même pas compte de ce que la racine de leur stérilité, c'est le mépris de leur père. Quand Dieu dit « Honore ton père », parle-lui avec révérence. Elle dit non, je ne le sens pas. On ne t'a pas demandé si tu le sens. On t'a dit fais-le. Fais une offrande. On ne t'a pas dit assieds-toi avec papa tous les jours. Non, parce que si c'est un sorcier, parfois il faut me garder la distance quand même. Non, mais il y a des parents qui sont des non, il y en a qui sont posés dans la sorcellerie. On ne t'a pas dit assieds-toi avec lui. Mais on t'a dit parle avec respect. Bénis le Seigneur. Prie pour la personne. Prie pour ton père. Prie pour ta mère. Prie pour son salut. Sinon, c'est de la désobéissance. J'arrive sur une dame qui dit c'est quoi ton problème? Elle me dit j'ai le lupus. Apparemment, c'est incurable. Et moi, au moment où je vais prier pour elle, je ne sais pas, c'est la seule dans la salle. Je dis, toi, tu as un problème avec ton cœur. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as le cœur rempli d'amertume.
Et oui, oui. Il dit, maman, tu ne peux pas guérir. Il faut que tu libères l'amertume d'abord pour être guéri. C'est l'amertume qui attire ça. C'est triste de voir le nombre de personnes qui, au lieu de faire la guerre, ils font des guerres sélectives. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils combattent certains types d'esprits, mais les autres, ils ne touchent pas à mon démon. Ce sont les démons les plus compliqués à chasser. On a beau prier, il y a des gens qui ne sont jamais libérés parce qu'il y a toujours un démon qui reste. Et tant qu'il y en a un qui reste, le un là va inviter les autres. Et celui qui reste là, la plupart du temps, c'est pas qu'il est dur à chasser. C'est juste que c'est la personne pour laquelle on prie qui n'a pas décidé que ce démon-là doit la quitter. Pourquoi? Parce qu'elle le protège. Et la plupart de ces démons-là ne sont pas des démons qui sont visibles. C'est des esprits comme l'amertume, le rejet, la colère, la manipulation. Tu vois, la manière dont tu le protèges. Dès qu'on dit ça, c'est l'amertume. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est en fait, j'ai beaucoup souffert. On m'a fait ça. On m'a fait ça. Tu es en train de justifier le démon. C'est ça là que moi j'appelle les esprits familiers. C'est-à-dire qu'il fait partie tellement de toi, il est devenu chez toi comme une seconde nature. Au point que quand on te parle, c'est quand même impressionnant de voir. Il y a des gens qui se mettent en colère. Et quand tu te mets en colère, que tu perds le contrôle, tu n'arrives même plus à avoir la maîtrise de soi. Ça veut dire que c'est un démon. Chaque fois que tu perds le contrôle, quelqu'un d'autre a le contrôle. Et quand on te dit ça, c'est pas normal, c'est démoniaque. Non, c'est parce qu'il m'a parlé comme ça, il a fait ci, il a fait ça. Démonisé que tu es. Tu n'as pas le droit de continuer de dire, c'est normal que je mette en colère parce que telle personne a fait ça. Non, tu n'as pas le droit. Ça, tu n'as pas le droit. Tu es en train de couvrir. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui parles, c'est ce démon-là qui est en train de parler. Il est en train de te dire ce que tu dois dire. Et ce genre de démon, on ne peut pas le chasser parce que toi, tu lui dis, ne touche pas à l'esprit de colère. Il est avec moi. Cet esprit d'amertume, d'impudicité, de peur sera une épine dans tes yeux. Ça veut dire quoi? Il va affecter ta vision. Or, quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de destination. Je n'ai pas entendu, amen. Ça veut dire quoi? Un seul démon que tu tolères est capable de saboter ta destinée. Il y a des gens à quoi tu ne peux pas. Tu vas faire ce que tu veux. Tu vas faire des efforts. Tu vas créer ce que tu veux créer. Ministère, entreprise. Tant que tu tolères un seul démon, tu ne seras jamais capable de manifester la destinée que Dieu avait préparée pour toi. Pourquoi? Parce qu'il a percé tes yeux et tu ne pourras jamais être conduit. Parce que tu peux être né de nouveau et être spirituellement aveugle. Chasse ce démon, ta vision céleste, ta vision spirituelle redevient claire. Le chemin de ta destinée redevient clair et tu y arrives au nom de Jésus. Tu y arriveras par la grâce de Dieu. Dieu n'a pas fait de toi et de moi des civils. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, souffre comme un soldat. Voyez, l'église du 21e siècle n'a pas la mentalité des soldats, elle a la mentalité des civils et c'est ça son problème. Les soldats n'ont pas d'état d'âme. Les soldats obéissent aux ordres. Qu'ils sentent ou ils ne sentent pas. Écoute, à l'armée, quand on rentre, l'officier rentre dans ta chambre, ou là où vous dormez, là, quand il, à 2h du matin, on te réveille. Quand il dit, soldat, debout, dans la boue. Même quand le gars dormait, en une seconde. À vos ordres. Ça, c'est les soldats. Il obéit. Mais les civils, la mentalité des civils, dès que tu allumes la lumière, oh, il y a trop de lumière, oh. Éteins d'abord la lumière. Je laisse-moi d'abord. Tu es trop brutal. C'est brutal, là. C'est brutal. Laisse-moi dormir encore un peu. Donne-moi 10 minutes. Donne-moi 10 minutes. Waouh. Dis à ton voisin, espèce de civil. Waouh. Mais c'est ce qu'on fait avec le Saint-Esprit. On te donne un ordre. Il te réveille à 2h du matin. Il dit, Seigneur, t'en as beau. Hé, hey, le dos. On dit pardonne. Ah. Je sais pas ce qu'elle a fait là. Ah, c'est là. Civil. Moi, j'aime la mentalité des soldats. Ça, c'est les disciples. Les disciples ne raisonnent pas. Quand Jésus dit, fais, à vos ordres. Tu seras saint comme je suis saint. Il dit, maman, soeur, ciao, coupe. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, je suis saint comme il est saint. Arrière de moi. Ciao, bye. Allez, arrière, fire. Ça, c'est les soldats.
Que Dieu fasse de toi un soldat de Jésus-Christ. C'est chercher le ressenti là qui emmène les gens à la désobéissance. C'est pas qu'on fait exprès. Les gens qui désobéissent à Dieu n'ont pas dit je vais désobéir. Non, parce que quand tu as cru, tu as quand même un peu de respect pour lui. Mais quand tu essaies toujours de non, mais tant que mon âme là, tu vois, il y en a, il faut mettre un ventilateur au niveau de leur âme, au niveau de leur cœur. C'est quand j'ai chaud, j'arrive plus à obéir. Hein. Mets là-bas un ventilateur. Il faut d'abord que ça se calme là. Pour que la colère s'apaise. Hein. Il faut d'abord. Alors il faut lui parler calmement. S'il te plaît, doudou. Chou, chou, chou. Doudou, doudou. Alors, tu es belle. Tu es mignonne. Tu es sympathique. Dis encore, dis encore. Là, c'est le ventilateur. Tu es une créature merveilleuse. Parce que tout à l'heure, il m'a énervé. Hein. Non, 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 mais non, non. Tu es une personne formidable. Ah. Oh. Continue encore, enfin, j'essouffle encore. Maintenant, quand on a toutes les belles paroles là, on t'a demandé pardon là, je te demande pardon pour comment je t'ai parlé. Oh. Merci. Maintenant ça va. Waouh. Waouh. C'est espèce de civil. Tu n'es pas qualifié pour faire partie des soldats d'élite du royaume des cieux. Et tu vas aller faire la guerre. Hein? C'est comme ça que les gens restent bébés. C'est de sentir. Moi, j'aime la parole de Dieu. Moi, quand Dieu parle, je suis mort. Quand Dieu parle, j'obéis. Je ne crains pas de demander pardon à quelqu'un. Si Dieu me dit demande pardon, ça ne me diminue pas. Je demande pardon. Dieu me dit sème, je sème. Dieu me dit honore, j'honore. Même si quelqu'un m'a injurié, Dieu me dit honore, je vais l'honorer. Je ne sais pas là, ouais, mais ça, c'est fini ça. Que tu rentres dans cette dimension au nom de Jésus. C'est la dimension de l'obéissance. Dis amen. Hey. Bon, pasteur, je m'amuse, je vais en boîte de nuit, je vais en voyage, s'il te plaît, toi, viens ici, reste là pour nous. Tu es d'accord? Prie pour nous, on va... Et c'est ça la mentalité. Tu penses que le pasteur est un marabout. Et il ne prie même pas suffisamment pour lui-même. Hein? Et surtout, il ne prie même pas pour les autres. Mais quand tu as besoin d'aide, tu veux que le monde entier s'arrête. Oh, pasteur, pourquoi tu me fais ça? Pasteur, c'est-à-dire qu'ils veulent que leurs urgences deviennent ton urgence. Et il y en a, ils envoient le sujet. S'il vous plaît, j'ai telle épreuve. Priez pour ça et donnez le sujet à tous vos intercesseurs aussi. Et tous les pasteurs de l'église, mettez toute l'église en prière pour moi, pasteur. Bon, dis-moi, tu veux qu'on mette toute l'église en prière? Est-ce que quand les autres avaient des problèmes, avec des détresses, avec des maladies, est-ce que toi, tu t'arrêtais pour eux? Il faut quitter la dimension où tu pries que lorsque c'est un sujet qui t'interpelle personnellement. Il faut que tu apprennes à rentrer dans la dimension où tu pries parce que ce pourquoi tu es en train de prier est en train de concerner quelqu'un. Et à ce jour, à ce moment-là, parce que tu as semé la prière pour les autres, le jour où tu es dans le besoin, Dieu va susciter toujours des gens qui vont prier pour toi. Toujours. Pourquoi? Tu récolteras ce que tu as semé. Priez ensemble, un en chasse 1000, deux en chasse 10 000. On a besoin d'être nombreux. Parce que quand on est plusieurs, il y a une onction corporative, il y a une puissance corporative. Mais il y en a beaucoup, on ne peut pas compter sur eux. Pourquoi? Ce n'est pas un sujet qui me concerne particulièrement. On va prier pour Haïti. Je ne suis pas à Haïti, donc ça va. La prière pour Haïti, je ne viendrai pas. Et tu sais, c'est quoi? Tu sais, quelle va être ta conclusion? J'ai été éprouvé. J'ai enduré, j'ai connu des preuves terribles. Ben, tu sais quoi? Il n'y a pas d'amour là-bas. Parce qu'on n'a pas prié pour moi. Il n'y a pas d'amour. Je vais ailleurs. Va ailleurs, fais la même chose. C'est-à-dire que quand c'est toi, moi, mon, mais, mi, ma, mais, quand c'est toi, là tu es intéressé. Quand c'est les autres, tu n'es pas intéressé. Tu vas récolter la même chose parce que c'est une loi. Donc c'est normal que l'église soit remplie de gens qui ont le cœur brisé. C'est bon signe. Maintenant, il ne faut pas s'en plaindre. Il faut maintenant prier pour que les cœurs brisés soient guéris par la puissance du Saint-Esprit. Parce que ça, le monde n'arrive pas à le faire. Le monde ne sait pas le faire. Priez pour que ces gens-là soient guéris à travers la parole, mais aussi à travers la communion fraternelle. À travers le fait que Dieu suscite des pères, des mères, des frères, des sœurs remplis d'amour qui vont les aimer comme on ne les a jamais aimés. Ils vont dire, mon Dieu, je ne connaissais pas ce genre d'amour. C'est l'amour de Dieu qui presse nos cœurs. Il faut prier pour que les cœurs brisés soient guéris. Si on ne prie pas pour que les cœurs brisés soient guéris, l'église sera remplie de gens qui ont le cœur chargé à bloc, mais qui ne sont pas guéris. Je vois une église
avec des cœurs totalement guéris. Prier sans cesse, ça ne veut pas forcément dire aller dans un coin, t'asseoir et puis prier, c'est nécessaire. Mais c'est plus que ça. Ça veut dire que tu peux prier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça signifie quoi? Que ton esprit est branché à Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est possible. Que quelqu'un me dise amen. Ce qui te met en mouvement et ce qui fait que tu commences à être conduit par l'esprit. Comment être conduit par l'esprit? Parce que l'homme conduit par l'esprit ne peut pas être maîtrisé, tu vois. L'homme conduit par l'esprit ne peut pas être contrôlé par les événements. C'est pas parce que tu as un malheur que tu es malheureux. C'est pas parce que tu te lèves mal que tu es triste. Non, non, frère. Je dis souvent, tu sais, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas ce matin? Qu'est-ce qui va pas? Tu as l'air tout triste là. Oh, je me suis levé, tu vois, du mauvais pied aujourd'hui, ça va pas trop. C'est un chrétien qui parle comme ça, frère. Si tu t'es levé du mauvais pied, couche-toi et puis lève-toi avec l'autre pied. Dis-moi amen. Alléluia. Alléluia. Des fois, les gens disent non, je parle comme ça. Non. C'est de l'abondance du cœur que la bouche. Ok. Donc, n'emploie pas des mots comme ça. Non, non. Dieu a dit, soyez toujours joyeux. Mais c'est normal. Si tu es branché, tu vois, si tu es branché à Dieu, tu dois toujours être joyeux. Parce que ta joie ne dépend pas des circonstances ou des événements. Ta joie dépend de la connexion, tu vois. Comme Dieu est joyeux, tu es joyeux. Et pour terminer l'année en beauté, Dieu a fait un véritable nettoyage de nos cœurs et de son Église à travers le séminaire du pasteur Mohamed Sanogo et la série de messages sur le piège redoutable de l'offense. Quand tu as fait la prière avec le pasteur, tu as remarqué que la semaine qui a suivi, le mari est rentré tôt. Tu sais que c'est le bras de Dieu? Le diable a venu juste à côté. Quel bon changement! Quel bon changement! Rentre tôt, qu'est-ce que ça fait? Si c'est pour rentrer tôt et te crier encore là-dessus, autant qu'il rentrait à l'heure de dormir et il t'aurait trouvé endormi. Rentre tôt, rentre tôt. Je préfère même que tu rentres tôt, que tu rentres tard, parce que tu rentres pour venir mettre du trouble dans la maison. La voix que tu entends, exactement le diable, qui calomnie les faibles commencements. Calomnier le petit changement. C'est le petit changement qui est Dieu. C'est Jésus qui est rentré dans ta maison. C'est le royaume de Dieu. Prends le petit. Même s'il y a quatre défauts, il crie, il rentre tard, il ment. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci pour mon mari qui rentre un peu plus tôt. Merci car tu m'as donné. J'ai un mari qui rentre un peu plus tôt. Et les gens sont là. Ah bon? Ah bon? Donc non, c'est pas inventé. Oui, vous savez pas. Vous savez pas faire. Vous savez pas transformer les produits. Ah bon, c'est pas le fait. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Le pétrole, tu sais comment on le transforme? Il faut des grosses machines. Et puis on vous effraie, tout le monde est là. Donc je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Et ça a transformé la mentalité. Ça a donné une forme. C'est comme ça le dragon pille les richesses. Et la plupart des gens qui sont en Afrique, ils cherchent à venir en Occident. Mais aujourd'hui, si vous regardez les avions, même dans des pays à la guerre, en Côte d'Ivoire comme ça, les gens ne vont plus faire du tourisme. Mais il y a 3 avions par jour, avec un A380, le plus gros avion, qui prend près de 500 passagers, plein, toute la classe à faire, remplie. Les gens descendent dans ton pays et toi, tu cherches à partir. Donc, dis-toi. Joseph était venu pour résoudre un grand problème économique. Quand Satan a commencé à voir que ce petit-là est très dangereux, il lui a envoyé Madame Potiphar. Elle voulait le violer. Elle a poursuivi. Je lui ai dit, mais cette femme me veut quoi? L'esprit qui l'animait, c'était le dragon. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Oui, ton bien, ton bien. Il y a des gens qui sont dans ta voiture, il y a des gens qui ont la maison dans laquelle tu aurais dû avoir. Dieu t'avait choisi, tu devais bâtir 10 orphelinats. Il avait mis ça dans tes gènes. Et le dragon t'a séduit. Quelqu'un est venu te voir. Je t'aime, je pense à toi. Je veux faire avec toi ma vie. Oh. Et puis tu arrives, tu dis, attendons le mariage. Et non, je ne peux pas tenir. Je ne peux pas tenir. Dans ce monde-ci, on se touche avant le mariage. Et vous êtes touché. Et après, relation cassée, il s'en va. Or, en allant avec lui, tu lui as donné l'intelligence. Tu lui as donné des biens.
Et il part, il va aller coucher avec quelqu'un d'autre. Et il partage ça. Et la personne a l'impression d'être très intelligente. Et celle maintenant qui construit des écoles. C'était tes biens à toi. Elle conduit ta voiture. Il y a des gens à Paris qui roulent dans ta voiture. Il y a des gens à Paris qui sont dans ta maison. L'offense n'a pas besoin que tu veuilles vraiment offenser. Tu arrives quelque part, il y a 10 personnes, tu salues 6, tu ne salues pas les 4 autres. Qu'importe la raison pour laquelle tu n'as pas salué les 4 autres, parmi les 4 autres là, il y en a un qui va se sentir offensé. Va se sentir indigné, va se sentir vexé, va se sentir froissé, va se sentir blessé, va se sentir diminué. On oublie ton anniversaire, il y en a, ça leur fait rien. Parce qu'ils ont franchi un palier en termes de maturité spirituelle et de mort à eux-mêmes. Il y en a, tu oublies leur anniversaire, c'est tout un incident. Donc je t'ai appelé ami et tu as oublié mon anniversaire. Mais à partir d'aujourd'hui, je sais maintenant qui sont mes amis et qui ne sont pas mes amis. Waouh! Ça veut dire que tu as été offensé. Tout à l'heure, on est arrivé au premier culte. La salle, il faisait froid. C'est suffisant pour que quelqu'un se sente offensé. Quand on va évangéliser, quand tu vas parler de Jésus dans les rues de Paris ou dans le métro, il y a des gens qui sont là. Le fait que toi, tu parles de Jésus, ils sont offensés. Mais moi, je ne te parle pas à toi. Oui, mais pourquoi vous faites ça? Mais attendez, toi. Monsieur, on est dans un pays de liberté. Quand quelqu'un vient et parle politique, quand quelqu'un parle, il fait la publicité pour les défilés des homosexuels, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu veux parler de Jésus, il y a plein de gens qui sont offensés. Est-ce que tu voulais les offenser? Non, mais ils sont offensés. L'offense, c'est la chair qui cherche à tout prix un moyen de cogner, de blesser, de fracasser ton âme et de lui enlever la paix, de lui enlever le repos, de lui enlever la joie, de lui enlever l'amour. La chair travaille pour le diable. En fait, c'est comme si le diable dit à la chair, j'ai besoin que tu me crées une passerelle, que tu m'ouvres une porte pour que je puisse entrer dans son cœur. C'est un peu comme, si tu regardes comme moi, les films d'action de temps en temps, quand le FBI cherche quelqu'un, ils ont des écrans partout. C'est comme si le diable dit à la chair, crée-moi une porte d'accès et lance-moi un scanning à travers tous les 5 sens. Alors du coup, la chair va examiner toutes les informations que tu entends, toutes les informations que tu vois, tout ce que tu touches, tout ce que tu goûtes. Toute la journée, du matin au soir, ta chair est toujours en mode analyse, 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 scanning. Je cherche une information. Dès que le métro est en retard, ah, je suis vexé. Tu vas commencer à te vexer, tu vas commencer à te plaindre, à gesticuler, à t'apitoyer. Dès que quelqu'un t'a parlé d'une manière dont tu n'aimes pas, on te parle. Tout de suite, tu vas voir que la chair, information détectée, et là tu sens une irritation, un agacement. Satan, à travers la chair, cherche un moyen de piquer, de cogner, de taper sur l'âme. Et quand il cogne sur l'âme, il va pousser l'âme à réagir et à pécher. Si tu fais tomber un de ces petits, parce que les petits enfants sont vulnérables, ils n'ont pas encore la maturité. Tu as idée du nombre de gens qui viennent dans l'église, qui luttaient déjà avec l'amertume, qui luttaient avec la culpabilité, qui luttaient avec le rejet. Bon, toi tu viens, tu poses des actes, il y avait déjà un trou pour le rejet, il y avait déjà un trou pour la haine, il y avait déjà un trou pour la colère. La personne est disposée. Elle est venue là à l'église pour que Dieu la restaure par sa parole. Mais toi, médiocre leader et responsable, ta manière de parler vient agrandir le trou de l'amertume qui était déjà là. Tu viens l'agrandir en faisant en sorte que la personne se sente encore davantage noyée dans l'amertume, noyée dans la colère, noyée dans l'impudicité, noyée. Si tu es responsable de ça, Jésus dit, le mieux, c'est qu'on prenne une pierre, on t'attache au cou et on t'enfonce au fond de l'eau, c'est mieux pour toi. Tout le monde ne saura pas comment te prendre avec délicatesse. Mais tu ne peux pas attendre aussi de tout le monde. Tu vois, tu ne peux pas te balader avec une pancarte rejetée. Faites attention à comment vous me parlez, s'il vous plaît. J'ai mon badge. Rejeté, frustré, impudique, immoral. Sœur, faites attention à comment vous vous habillez. Bon, c'est marqué là. Je suis déjà impudique. Déjà, c'est moi, c'est un trou déjà. N'augmente pas le trou. Tu ne peux pas te balader avec une pancarte en disant, faites attention à moi, ne m'aggravez pas, ne m'endommagez pas davantage. Ce que tu dois faire, c'est comprendre à la lumière de la parole comment en fait que les gens changent ou ne changent pas. Comment toi tu fais pour changer et guérir de l'offense? Déjà, quelqu'un reconnaît. Reconnaître, je t'assure, c'est un signe d'humilité. C'est une marque d'humilité. Reconnais. Tu ne supportes plus tel frère, telle sœur, alors vous êtes dans la même famille.
Vous connaissez, ça veut dire que tu as été offensé. L'habitude qu'on a, c'est de dire non, non, ça va. Ça fait longtemps que ça s'est produit, mais alors. Non, je ne lui parle toujours plus, mais ça va. Non, si tu ne le supportes, tu ne la supportes toujours pas, c'est que ce n'est pas fini. Il faut arrêter de mentir. Non, non, ça fait depuis longtemps que j'ai oublié. Tu n'as rien oublié. Tu n'as rien oublié. C'est encore là. Laisse montre. Comme ça, Dieu peut mettre la main dessus. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse, Dieu veut guérir. C'est le spécialiste des cœurs brisés. Mais si Dieu sent que tu vas prendre plaisir à ce que Dieu frappe cette personne, tu ne la frapperas pas. Il va te demander d'intercéder parce que Dieu ne veut pas la frapper. Il va te demander de prier jusqu'à ce que tu sentes de la compassion pour ceux qui t'ont offensé. Tu sais que tu as triomphé de l'offense lorsque hier, tu avais de l'aigreur, un sentiment de vengeance. Tu sais que tu as triomphé de l'offense lorsque maintenant, en toi, il n'y a plus que compassion. Tu ne cherches plus son jugement, tu ne cherches plus sa confusion, tu ne cherches plus à ce que le feu la détruise. Tu pries juste que Dieu la relève, qu'il sauve cette personne. Là, tu sais que l'offense a disparu de toi, que ce soit ton partage au nom de Jésus. Quand quelqu'un t'est injurié, décide de voir derrière la personne qui t'est injuriée une personne blessée. Tu dis, Seigneur, pardonne-la, parce que si elle parle comme ça, c'est qu'elle est vraiment blessée, gangrénée dans son âme. Si quelqu'un t'a méprisé, si quelqu'un ne t'a pas dit bonjour, si quelqu'un ne t'a pas calculé, décide de lui donner des excuses. Parce que la Bible dit que agapé, l'amour de Dieu, excuse tout. Si elle ne t'a pas dit bonjour, dis-toi, c'est sûrement parce qu'elle était pressée. Même si quelqu'un te dit, non, elle n'était pas pressée, elle avait le temps. Tu dis, il y avait sûrement une autre raison. Peut-être que ce jour-là, elle s'est mal réveillée, il s'est mal levé, il a eu une mauvaise nouvelle. En tout cas, sa journée avait mal démarré. Et une journée mal démarrée, c'est une journée compliquée. Décide d'excuser. C'est ça qui va t'aider à garder ton cœur. Ne laisse pas l'offense pendant ces 21 jours. Je crois que le Saint-Esprit va déverser un feu qu'on n'avait jamais vu. Mais l'offense est capable de te priver de cette grâce, de cette visitation. Que ce ne soit pas ton partage, que ce ne soit pas ton histoire, et que le Saint-Esprit t'accorde la grâce, tu es libéré. Si les disciples de Jésus avaient, un, veillé, et deux, prié, quand Satan les a réclamés, ils n'auraient pas été dispersés. Ils n'auraient pas été scandalisés. Il n'aurait pas été offensé. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de vivre des offenses et d'être scandalisé. On peut atteindre la dimension où, quelles que soient les choses qui viennent de l'extérieur, on est calme, on est serein, on marche dans la paix de Dieu. Les choses qui arrivent ne t'ébranlent pas. C'est ça que Paul a dit quand il a dit « Qui me séparait de l'amour de Dieu ?» Qui va nous séparer ? Dis-moi. Qui nous séparait de l'amour de Dieu ? C'est quoi ? Donne-moi le nom. Célibat, chômage, travail, hein, tout ça. C'est quoi ? Mort ? Calamité, fléau, dévastation, crise, épidémie. Voilà, qui va me séparer? On peut arriver à une dimension où rien de ce qui arrive ne t'ébranle. Seigneur, amène-nous à cette dimension au nom de Jésus. Une âme qui est offensée est une âme qui risque de pécher. Voilà pourquoi tu ne dois pas rester longtemps dans le rejet. Tu ne dois pas rester longtemps dans l'amertume. Tu ne dois pas rester longtemps dans la dépression. Tu dois sortir vite de là. Parce que tant que tu restes dedans, tu es vulnérable, tu es une proie. Faites la guerre aux mauvaises pensées. Jésus donne deux clés, veiller et prier. La veille, c'est une attitude spirituelle qui est pratiquée par les véritables adorateurs comme David. Il n'avait pas la révélation de comment la chair fracasse l'âme. David a grandi dans le rejet. Le rejet vit la vie de son père, dans l'abandon par rapport à sa maman. Et ses frères, non seulement le rejetaient, mais en plus ses frères le méprisaient. C'est impossible d'avoir grandi dans ce genre d'environnement et de n'être pas pressé par des passions charnelles appelées colère, appelées tristesse, appelées découragement, appelées abattement, appelées dépression. C'est impossible parce que l'environnement dans lequel tu te trouves détermine ce qui va t'agresser, même sans avoir le Saint-Esprit. David, parce que c'était un amoureux de Dieu, parce que c'était un véritable adorateur, malgré ce qu'il a vécu dans son enfance, David savait que toute émotion qui n'est pas de Dieu ne devait être ni subie, ni tolérée, ni acceptée, mais elle devait être haïe, elle devait être combattue, elle devait être renversée. Et c'est pourquoi il a écrit dans le psaume 43, verset 5. Il n'a pas écrit ça pour faire plaisir. Il a écrit parce que c'était son expérience. Quand il a dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Hein? Espère en l'Éternel, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu, mon âme. Tu ne sais pas qui est le Dieu
que je prie. Tu ne sais pas qui est le Dieu que j'invoque. Tu ne sais pas qui est le Dieu en qui je crois. Je vais te dire, mon âme, je t'interdis l'apitoiement. Je t'interdis l'abattement. Et puis là, une voix lui dit, une voix vient lui dire, ouais, mais tu as besoin de moi là quand même, parce que regarde tout ce que tes frères te font. Je suis l'esprit de haine. Je suis l'esprit de colère. Je suis l'esprit d'amertume. Il faut que tu me laisses rentrer en toi, parce que là, des gars, ils exagèrent. Regarde ce qu'ils ont fait. Ils te maltraitent. Ils abusent de toi verbalement, physiquement. Ce qui est impressionnant, c'est que quand il a écrit ça, il est en train de décrire une lutte. Il refuse que toute émotion qui autre que la paix, autre que la joie, autre que la foi, s'assied dans son cœur. Parce que s'il dit pourquoi tu as battu mon âme, ça veut dire que son âme était déjà piquée. Ça veut dire que son âme était déjà atteinte. Ça veut dire que tout ce qu'il était en train d'endurer était en train de le cogner. Mais il n'a pas dit qu'il va s'asseoir. Le problème de notre génération, c'est qu'on s'assied. Tu sais que tu es amer, tu sais que tu as besoin de reconnaissance, tu sais que tu te sens rejeté, tu sais que tu te sens coupable, tu sais que tu as l'impudicité, tu sais que tu as la colère, tu sais que tu as la jalousie. Mais David ne restait pas là. David est mon âme. Tu es comme ça, pourquoi? Viens ici, espère. Sous-entendu, tu ne vas pas rester avec ça. Ces choses vont sortir de toi, mon âme. Moi, je suis un esprit, ça ne va pas rester là. Lorsque tu ne te libères pas de la piqûre de l'offense, elle va te piéger, elle va servir, cette piqûre, cette seringue de l'offense va servir de pont de transmission, de relais de transmission qui vont permettre à des démons de rentrer. Et ces démons, je te promets, vont faire de toi quelqu'un que tu n'as jamais désiré, ni prié, ni aspiré, ni souhaité être. Mais tu vas être piégé. Personne ne décide d'être mauvais. Les gens sont piégés. Pourquoi? Par un dépôt qui était là. Tu n'as pas enlevé la seringue. Et la seringue a fait rentrer des démons. Ne sous-estime pas l'offense. Tout commence par une piqûre de ton âme. Et ce qui est fort avec la piqûre, c'est comme les vaccins. Ce qui est fort, c'est que, ok, ça fait mal. Mais juste après, qu'est-ce que tu sens? Ça va. Ça n'a l'air de rien. C'est juste le contact qui fait mal. Tu n'as pas compris que pour le diable, c'est la chair qui a piqué. Pour le diable, ce qui comptait, c'est que la seringue reste. La seringue est connectée. Le sentiment est là, la blessure est là, la colère est là, l'indignation est là. Quand tu dis ça va, Satan dit c'est bon les gars, ça va aussi. Transmission, allons-y. Soit en parachute. Non, tu sais dans les films là, où tu vois un fil, on met un fil d'un point à un autre. Puis maintenant les forces spéciales, à travers le fil, chut, ils arrivent. C'est exactement ce qu'on font les démons. La seringue a été positionnée, les démons prennent la corde, chut, puis ils atterrissent dans l'âme. Ouf, on est là. Maintenant, le caractère de la personne devient de plus en plus odieux. Ça a commencé comment? Une offense. Ces enseignements sur la prière et sur l'offense ont vu leur mise en pratique à travers plusieurs temps de prière et de feu, dont les fameux 21+1. 21 jours de jeûne, clôturés par une soirée de miracles. Ne me laisse pas banaliser. Ne me laisse pas expliquer l'impunicité, l'amertume, la colère, la jalousie, la honte, la peur, la culpabilité. J'ai envoyé Jésus à la croix. J'ai porté tes péchés. Pour que tu ne les acceptes plus dans ton cœur. C'est eux qui font une barrière de séparation. C'est qui m'empêchent de te visiter. Continue d'avancer. Continue d'avancer. Ça veut dire ce que tu fais, continue de le faire. Remets-toi en question. Humilie-toi. Continue la tâche. Continue l'ouvrage. Ne te relâche pas. L'homme doit toujours prier et ne pas se relâcher. Mais on ne trouvera pas d'amertume. On ne trouvera pas de colère. On ne trouvera pas de jalousie. On ne trouvera pas de blessure. On ne trouvera pas d'aigreur. On ne trouvera plus d'impunicité. On ne trouvera plus d'amertume. On ne trouvera plus d'excès de table. Que nous attendons. Nous attendons. Fais la différence. Nous te supplions. Imprime un cœur nouveau au Père. Chacun des mains, j'ai la volonté. Je m'abandonne seulement, je m'abandonne seulement. Enlevons les mains et je dis je veux mon désir, celui de ta. Le ciel est ouvert. Ce sont des escadrons.
des escadrons angéliques. Ils sont nombreux, 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 ils sont nombreux. C'est une armée, des myriades et des myriades. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Chalele de babosa, chalele de babosa, chalele de babosa. Je vois, je vois, je vois, je vois, des régiments, des milliards et des milliards d'anges. Ce sont des guerriers, ce sont des messagers. Ils amènent la guérison, ils amènent la libération. Ils viennent s'ouvrir des portes, ils viennent libérer ta vie. Il vient de baptiser, Jésus vient de baptiser de feu et d'Esprit Saint. Nous rendons grâce à celui qui nous a ainsi portés pendant ces 365 jours de 2017. Assurément, 2018 sera une année différente, une année qui verra enfanter une nouvelle version glorieuse et merveilleuse de son Église et de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Acclamer, acclamer celui qui nous a enseigné. Amen. C'est impressionnant de voir comment la parole de Dieu est vivante. Est vivante. On a pu le voir au travers de cette rétrospective. À chaque fois, c'est comme si c'était la première fois et on reçoit encore la parole et elle nous fait encore du bien. Waouh, c'est extraordinaire. Alors, nous avons une très bonne nouvelle. D'ici 2 semaines à peu près, il y aura une clé USB. Ceci, c'est un prototype, une clé USB de tous les messages de l'année 2017. Et nous pourrons comme ça réécouter, réécouter, réécouter. Et assurément, Dieu envoie toujours sa parole pour nous annoncer ce qu'il veut faire. Donc, pour être cette meilleure version de nous-mêmes en 2018, nous prendrons le temps d'aller et de réécouter ses enseignements. Amen. Amen. Nous avons eu ces enseignements qui nous ont touchés, qui nous ont édifiés, qui nous ont challengés. Et nous voulons juste prendre ce temps d'être reconnaissant envers notre Dieu et de dire oui. Oui à sa parole, oui à ses promesses, oui à sa vie, oui à sa libération, à sa restauration, oui à Christ. Aujourd'hui, c'est un jour où nous prenons le temps de dire merci. C'est ce jour-là que le Seigneur a dit. Est-ce que nous pouvons tout simplement dire, je dis oui, oui, oui à ta parole. Je dis oui, oui, oui à tes promesses. Je dis oui, Seigneur. En ce jour, je dis. Oui à ta parole, oui à tes promesses, oui à ce que tu as décidé de faire dans nos vies. En 2018, tu veux que nous devenions la meilleure version de nous-mêmes, une version inédite, une personne encore jamais manifestée sur terre, celle que la création attend avec un ardent désir. Alors nous disons oui, oh oui, je dis oui. Peu importe les moments, nous continuons avec la mentalité du soldat.
disons oui, nous n'allons pas reculer. En 2018, quelles que soient les épreuves, là où l'ennemi a décidé de venir et de dire non, ce ne sera pas possible, non, tu ne pourras pas, non, je serai là toujours et je te rappellerai ton passé. Nous disons oui, oui à ta parole, oui à la vérité, oui à nos péchés effacés, oui à la transformation totale. La gloire de Christ, alors je dis, je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Oh oui. À Jésus, je dis oui. Seigneur. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Je dis oui. Oh oui. Oui. Alors que nous avons les têtes baissées, aujourd'hui c'est un jour de grâce. C'est un jour extraordinaire pour également dire oui à Jésus. Si tu es ici dans ce lieu et c'est la première fois que tu entends parler de Jésus, ou tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de dire oui à Jésus. Oui à une transformation totale. Car Jésus-Christ est celui qui peut enlever la peine, la douleur. Est celui qui vient combler le vide que tu peux ressentir. Jésus-Christ est la solution. Il est celui qui est capable de te libérer de tout ce qui t'a offensé, blessé, troublé. Il est celui qui est capable de changer, de réécrire l'histoire de ta vie. Alors si aujourd'hui tu décides de vivre une vie nouvelle, d'être la meilleure version de toi-même, une version encore jamais vue, alors c'est le moment de dire oui, oui à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est l'appel que Dieu lance pour toi, toi qui ne le connais pas encore. Il veut venir dans ta vie et tout changer. Il veut entrer dans ta vie et transformer ces situations qui te font souffrir, transformer ta vie, transformer ton cœur, faire de toi un être inédit, encore jamais vu sur terre. Alors que nous avons les têtes baissées, si aujourd'hui tu entends cet appel et tu dis je veux dire oui, oui à Jésus, j'accepte que ma vie soit transformée, j'accepte de vivre l'amour, j'accepte de vivre le véritable bonheur, de vivre la paix, alors lève juste la main là où tu te trouves. Si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, si tu acceptes, si tu veux que Jésus vienne et change ta vie, alors là où tu es, lève seulement la main. Lève seulement la main et dis, Seigneur Jésus, je veux que tu viennes en moi. Lève la main là où tu es. Si tu veux accepter Jésus-Christ, aujourd'hui c'est un jour de grâce. Aujourd'hui c'est le jour de répondre à l'appel. Cela fait peut-être des mois, des années que tu entends et que tu hésites. Oh, 2018, c'est cette année de faire ce bon choix, de commencer l'année en acceptant le plus beau de tous les cadeaux, Jésus-Christ ressuscité. Alors lève seulement la main où tu te trouves. Lève seulement la main. Laisse seulement le Saint-Esprit te convaincre. C'est la meilleure des parts, le meilleur des choix. Et là où tu es maintenant, avance. Nous allons prier ensemble. Toute l'église, nous allons prier ensemble avec toi. Nous ne voulons pas laisser sans prier. Au contraire, c'est une prière importante. Avance, toi qui as levé la main, avance-toi devant. Bénissons le Seigneur. Toi qui as levé la main et qui as décidé de laisser Jésus entrer dans ta vie, où que tu sois, même connecté sur Internet, clique sur ce bouton. Je décide d'accepter Jésus-Christ. Nous voulons prier. Nous acclamons le Seigneur. Église, nous acclamons le Seigneur. Il y a de la joie pour ces âmes qui se donnent à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Oh, de mort qu'ils étaient, ils ont décidé de passer à la vie. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a plus de joie dans le ciel. Aujourd'hui, pour ces âmes qui se donnent, pour que lorsque le
jour où tu décides de te marier. Alors est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ? Parce que c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ, c'est par son esprit. Là où tu te trouves, n'endurcis pas ton cœur. Accepte-le, accepte-le. Accepte cette vie nouvelle. Accepte cette vie en Christ. Que tu sois sous la tente, sur la mezzanine. Tiens, prends tes affaires. Et viens, c'est un jour de grâce. C'est un jour de célébration. Il y a de la joie. Les anges dans le ciel ne comprennent pas ce qui se passe. Mais Dieu est réjoui parce que ses enfants reviennent à lui. Je dis. Je dis oui à Jésus. Oui à Jésus-Christ. Oh, quel merveilleux choix. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Oh, je dis oui. Je dis oui à Jésus. Où que tu sois, c'est le jour de la grâce. Verset bien-aimé, et tous ensemble, répétons ensemble cette prière. C'est une prière puissante. C'est une prière puissante. Alors tous ensemble, répétons. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte, toi, comme mon sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je décide d'abandonner ma vie entre tes mains. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Désormais, ma vie est cachée en toi. Tu as le droit de rachat sur moi. Tu me laves, tu ôtes mes péchés. Et je sais qu'avec toi, désormais, ma vie s'écrit gloire. Elle ne sera plus la même. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Dis amen. Amen. Est-ce que nous pouvons faire du bruit pour Jésus-Christ? Amen. 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 Je dis amen. Amen. Je dis amen. 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 Seigneur, ces bien-aimés sont entre tes mains. Désormais, ils sont passés des ténèbres à ton admirable lumière, de la mort à la vie. Alors Père, nous les recommandons à ta grâce, que tu puisses conduire leurs pas désormais, et que ceux qui venaient les oppresser, les opprimer, à partir d'aujourd'hui, voient ta main posée sur leur vie. Leur vie ne sera pas leur passé, non, leur vie sera ce que toi tu dis d'eux. Et à partir de ce jour, tu es personnellement investi dans leur vie. Merci parce que tu réécris l'histoire de leur vie, et que tu fais des champions, tu fais de les champions, des plus que vainqueurs. À toi soit l'honneur, à toi soit la louange et la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Waouh. C'est toujours une joie que de voir cette naissance. Chers bien-aimés, vous qui vous êtes avancés, vous avez vécu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et lorsqu'un enfant naît de nouveau, lorsqu'un enfant vient de naître, on ne le laisse pas comme ça à l'abandon. Donc pour cela, vous allez être accueillis personnellement à la fin. Vous êtes accueillis, il y a une conseillère avec un drapeau. Vous allez la suivre et on va prendre le temps, vous expliquer ce qui vient de se passer, vous remettre, prendre vos coordonnées. Nous allons vous rappeler dans la semaine, nous ne vous laissons pas comme ça. Nous sommes vraiment dans la joie de vous compter maintenant parmi la famille de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse, champion, champion. Championne de Christ, alors que vous puissiez suivre notre sœur, la conseillère. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus? Amen, amen, amen. Amen, amen.
l'année 2018. Merci de ce que ta main sera étendue sur tout au long de cette année. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour ce qui vient de se passer? Le plus beau des miracles vient d'avoir lieu devant nous. Amen. Nous sommes arrivés donc au terme de notre culte de célébration. Disons au revoir à notre grande famille internaute. Nous nous retrouvons dimanche prochain par sa grâce. Et je vous demander de prendre place quelques instants. À Impact Centre Chrétien, à ICC, nous avons l'habitude.